Mesdames et messieurs, bienvenue au Sous TV La Caille. Aujourd'hui, c'est samedi 29 janvier 2022 et nous comptons avec vous pour nous porter vidéo ça pour vous, vidéo d'information ça qui va le faire saisir et bien détails que nous porter pour vous en dans vidéo ça. Alors n'a besoin ou même qui nouveau sur canal ça qui beaucoup abonné avec TV La Caille, pas hésiter faire ça, c'est grand moyen pour pas rater divers et bien émission n'a porter pour vous sur canal ça. Yon ministre tombé en bacode dans question et Masisi et nous allons inviter tout détail mesdames, mademoiselles et messieurs et bien yon victime lui-même qui pral et donc témoigner et faire connaître depuis qu'il est ministre et qu'on a pas violé lui et de temps en temps ministre toujours et bien a violé petit garçon dans institution et nous allons faire entendre tout détail avec et bien et citoyen ça là c'est à Glonanzier monsieur a expliqué et bien comment ministre lui-même té qu'on a violé de temps en temps et c'est là nous pour porter toute information pour vous nous pour inviter autant de qui est lié en dans vidéo ça n'a pas tourné un paquet l'autre monde. Donc mon but ce soir de raconter cette histoire c'est d'abord pour moi-même parce que le petit garçon qui vit à l'intérieur de moi n'avait ni le courage ni l'opportunité de se défendre, ni l'opportunité de se mettre debout et de dire non, ça n'a pas fait venir, parce que je n'ai pas gagné le choix. Je n'ai pas pensé que je n'ai pas le choix. Donc aujourd'hui, cette voix-là, qui est une voix publique, c'est une façon de lui dire à ce petit garçon qui vit en moi, I got you. I'm here for you. Parce qu'on parle de la fin. Pardon? Je vais te demander de, si tu peux, à tes mots, si tu veux, de raconter ton histoire. Comment ça a commencé? Quel âge tu avais? The mic is yours. Écoute, j'avais 11 ans. J'étais à Saint-Louis de Gonzague. Et élève brillant à l'école. OK? On avait un moniteur de sport qui s'appelait Evans Lescoufler. OK? Et moi, je les nomme. Je les nomme parce que il a fait du mal à cette personne. Il me demande après ma classe de sport, c'était éducation physique l'idée qu'on fait pour nous. Il dit, moi, tu restes après la classe parce que tu n'as pas participé avec autant d'enthousiasme. Et puis, écoute, en Haïti, dans ma jeunesse, professeur, l'école, c'est bon Dieu, yoteye. Pas gain à faire pour professeur, l'école, t'a dit, je ne veux pas, je vais dire à ma maman pour toi. D'après la caméra, t'as calé mon corps. OK? Donc, quand il m'a dit de rester, je suis resté. Et la première fois que je suis resté, l'emplacement où il avait son bureau où on allait pour prendre les classes de sport, j'avais 11 ans d'âge, c'était retiré des autres classes, là où les autres classes étaient. Et quand je suis rentré dans son bureau, je ne pas songé exactement, j'ai ça commencé, mais il m'a dit pour me retirer le pantalon. OK? Il dit me descendre le pantalon. Et là, il m'a dit pour le descendre le pantalon. Non, il m'a dit. Je n'avais jamais été touché comme ça par quiconque. OK? Je me suis trouvé très mal à l'aise, mais en même temps, une peur pour me baguer une réaction. Et puis là, je me dis, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? OK? Et puis, écoute, ces gens-là, ce sont des gens qui... je ne suis ni le premier ni le dernier à qui il l'a fait. OK? Donc, l'icône n'est que le pas aller trop vite, ni le pas aller trop doucement. OK? Les mains, les touches, les passer mes derrière, couvrir. Bon, je te raconte ça, j'ai la chair de poule. OK? Ça passe, et puis il me laisse partir. On avait pas la classe de sport tous les jours. C'était certains jours de la semaine, je ne me rappelle pas quel jour. Mais quand maintenant je reviens, la prochaine fois, li pa di manyen. OK? C'était un vendredi après-midi, la première fois où ça a été plus loin. Li di m konsa et que c'est pour être après la classe et que
et même genre. Et puis moi, de lui dire, essayant de me défendre, moi, je dis, tu sais, chauffeur, peut-être, oui. Et si chauffeur n'a pas, ouais, moi, il a venu chercher. Et au compte qui ça le répond, moi, il dit, me dit chauffeur déjà que vous puni. Donc, il n'a pas venu chercher. Donc, il faut comprendre que, Gendel, c'est maman qui te convient chercher. Gendel, c'est papa qui te convient chercher. Monsieur Teguet, on connaît que c'est chauffeur à capitaine, mais pour être capable de dire chauffeur à qui me puni, pour être capable de faire ça, qui t'a pas le faire. OK? Il a essayé de me pénétrer à plusieurs reprises ce jour-là. OK? M'a prélé, m'a crié, parce que ça me faisait mal à 11 ans d'âge. OK? Et quand maintenant, avec la PC est pénétré, pas joué, la joué avec tête li, lorsqu'il a éjaculé, je n'avais jamais vu ça de ma vie avant. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Lina, elle va capable, même non plus, swim bal cool. No, just put yourselves on mute and let him talk. When, là, ça passe pour nous, hein? Maintenant, ça devient quelque chose qui se passait avec régularité. Et l'homme de son bail cap fait avec régularité, hein? Peut-être pas chaque semaine, mais il trouvait un moyen de me faire rester après les classes pour qu'il puisse avoir son interaction sexuelle avec moi. Kounia m'a décidé après quelques mois que je ne peux pas arrêter la situation ça. Donc, m'a décidé, m'a fait au métier de l'école là. Parce que je ne peux pas aller dire à mes parents que voilà ce qui se passe. Parce que moi, j'ai peur de dire à mes parents voilà ce qui se passe d'un côté et à une culpabilité qui vient avec. Donc, d'un coup, maintenant, tu t'imagines que tu as un enfant qui travaille très bien à l'école, etc. Et puis, tout d'un coup, ses notes sont en train de plonger. Wop pose tête aux questions, wop dit, mais pour qu'il ne soit pas venu étudier? Tout le monde, non, mais tout le monde a dit, que la ligue, c'est ton futur, etc. Et tout. Et puis, moi-même, je ne vais pas foutre 10 cric. Et je prends le jour pour qu'il ne soit pas de 10 cric là. Je l'ai dit à Béatrice cet après-midi. En Haïti, il y a deux noms que personne n'a jamais voulu associer avec eux. Massissi et Bouzin. Donc, quand tu es un petit garçon, que tu es en train d'être violé par un. Programme CNU Lakaïla, c'est un programme que direction générale là l'initie. C'est une initiative de la direction générale. Programme CNU Lakaïla, c'est un programme CNE, ok, qui visait stimuler techniciens nous yo davantage pour que yo capable travailler. Il y a un peu de monde qui pense que le programme CNE Lakaïla, c'est un programme qui gagne un financement détaché de CNE. Ce n'est pas ça lié. C'est le même budget CNE, c'est le même technicien CNE qui travaille en dedans du programme CNE Lakaïla. C'est un programme qui permet de CNE de vivre plus près de la population. Si vous regardez, avec le programme CNE Lakaïla, CNE a travaillé mentissant, malgré nous qu'on est mentissant sur zone difficile. CNE travaille la saline. CNE travaille un peu partout à travers le pays, côté nous qu'on est qui a des difficultés. Parce que malgré les difficultés, une mission CNE, c'est désobstruer passage, c'est faciliter circulation. Quel que soit ça qui obstruit la circulation, CNE a une mission pour l'enlever. À côté de mission CNE gagne pour faire des enclavements, même j'en ai fait dans les villes de province. CNE a travaillé dans la zone métropolitaine à travers CNE Lakaï. Dans la question enlèvement, ce n'est pas enlever Fatra seulement, parce que bien que nous connaissons. Question enlevé Fadra n'est pas mission spécifique CNE. Mais CNE comme institution étatique, nous ne sommes pas capables de garder pour nous, pays, nous, capitale, à périr en bas Fadra,
et puis nous gain équipement pour nous chita gabi. Alors que l'État a payé technicien nous chaque mois. Avec le programme CNU Lakaïla, malgré la situation difficile, nous sommes à la rue. Pourtant, CNU travaille chaque jour. Si CNU ne travaille chaque jour, nous allons comprendre dans quel état la rue pour nous prendre stabilité. Ça veut dire que le travail que CNP a fait avec CNU Lakaïla, son travail qui a une importance pour le peuple haïtien, hein? Malgré nous ne pouvons pas arriver au niveau pour que nous satisfait. Avec CNU Lakaï, nous fixons le marché public parce que le marché public, c'est de véritables producteurs de fatra, si je peux dire comme ça. C'est ça que fait. Le CNE rive dans le marché public où elle nous toujours fait une distribution de matériel léger. Tant que bourrette, tant que pelle, tant que râteau, tant que balai. Sa facilité équipe qui a dirigé le marché a semblé fatra et fait appel à CNE pour venir lever gros pile fatra parce que nous-mêmes nous avons gros matériel. Nous faisons déjà dans Kwa Moussal, nous faisons dans le marché Salomon, nous faisons dans le marché Pétionville. Okay? Tout récemment, là, nous faisons dans le marché Livana. Okay? Ça veut dire que nous faisons dans pile marché déjà dans la zone métropolitaine et nous continuons à faire. Et nous avons tout annoncé le marché tabac parce que nous avons pile demande pour le marché tabac. Dans le jour où vous là, CNE Lakaï a arrivé dans le marché tabac. N'a poté pelle, n'a poté bourrette, n'a poté râteau. Et nous pourrons aller avec l'odeur, nous pourrons aller avec camion, nous pourrons aller avec bocat, nous pourrons nettoyer le marché et nous pourrons remettre un lot de matériel léger. Nous faisons travailler ça pendant toute l'année 2021. Dans l'objectif pour nous, si nous sommes capables de diminuer la question de fatra dans la ville, parce que nous toujours dit que ce n'est pas normal pour les citoyens à vivre même côté avec fatra. C'est ça que fait nous-mêmes, dans la possibilité pas nous, dans le moyen pas nous, nous dégager une possibilité pour que nous soyons capables d'aider la population à retirer fatra tout près. Parce que Haïti, c'est déjà un pays à risque environnemental. Il n'est pas normal pour nous vivre même côté avec fatra. C'est ça que fait nous-mêmes dans le CNE. Nous dit que, à côté de travail qu'on a fait dans les villes de province sur le plan infrastructurel, dans la zone métropolitaine, nous décidons nous-mêmes pour nous attaquer fatra parce que fatra n'a pas vu même côté avec être humain. L'année 2022, là, nous allons changer de stratégie dans la question CNE de la CNE. Nous avons fixé le marché public, maintenant pour nous faire matériel léger, maintenant nous allons fixer plus zone au quartier. Nous allons distribuer pelle bourrette plus à comité quartier. Parce que nous estimons pour que nous capables de gourmer véritablement contre fatra, il faut que les citoyens participent, il faut que les citoyens impliquent. C'est ça que nous avons fait un appel. Ok, à ça que nous sommes capables de briller, un retour à la participation citoyenne en deux pays. Parce que en tant qu'haïtien, citoyen haïtien, nous gagnons responsabilité. Responsabilité, nous, c'est pour nous participer, pour nous faire pays nous belle. Haïti, c'est un espace physique, rendu belle. L'un espace vivable, il dépend de nous-mêmes citoyens. Le nom aller en République Dominicaine, le nom aller aux États-Unis, nous, moi, j'ai un pays à belle. Mais tous les citoyens, eux, ils ont participé. Des fois, on a passé un côté, et puis moi, mon nom, avant, soit une banane ou bien une patate, il prend une banane dans la terre, bon, malabou, et puis, c'est fun la banane. Et pourtant, même moun sa, il était capable de ranger une petite table, bien belle, et puis il mettait banane là, il mettait patate là, sans pas besoin de la guerre à terre. Ça veut dire que question pour payer nous belle là, citoyens, il dépend de où
C'est vrai, les dirigeants, les institutions, ils ont accompagné nous comme l'État. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, nous gagnons responsabilité. C'est ça que CNE a continué à accompagner la population hein, dans la zone, dans le quartier, dans la rue, hein, pour nous continuer à nettoyer la rue. Hein, mais nous avons besoin de participation citoyen. Yo, parce que Haïti, c'est pays nous. Pays nous, c'est pour nous lier. C'est pour nous participer dans le pays propre pendant l'année 2022. Dis-nous, 3